Hello tout le monde les amis, c'est Gillian, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoutez les amis, aujourd'hui quelque chose de spécial déjà, la facecam. J'ai essayé de faire marcher le fond vert, alors c'est un test hein, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, ça grésille un peu autour de moi, c'est un peu chelou. J'essaie d'arranger tout ça, et là juste derrière moi j'ai rajouté une lampe pour essayer d'éclaircir un peu plus ce fond vert. Mais c'est toujours pas assez éclairé apparemment. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça serait très intéressant pour moi, ça m'aiderait beaucoup. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la map d'un abonné. J'ai gardé mon skin d'aventurier de Zoomcraft. Donc au moins les amis, on est prêt à tout et n'importe quoi. Donc les amis, un abonné m'a envoyé cette map par email. Donc si vous voulez faire pareil, hein, vous pouvez. C'est sur mon adresse email contact@gillian.youtube@gmail.com. Oui, contact@gillian.youtube@gmail.com. Voilà. C'est ça, si vous voulez m'envoyer des maps. Et bien sûr, pas pour me taper la discu, hein, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me font ça. Et de toute façon, je leur réponds pas, je supprime les emails, je vais pas vous le cacher, voilà. Voilà, c'est la map de Vivien, si je ne me trompe pas, voilà. Qui est très très gentil de m'avoir fait cette map. Il y a une petite chaîne, voilà, que je mettrai en description si je n'oublie pas, donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, ça... je suis pas allé voir personnellement. Donc les amis, on se retrouve voilà, sur cette magnifique map qui s'appelle Jumpy's Theater. Donc c'est une suite, c'est pas une suite, mais c'est une histoire de FNAF qu'il a créé lui. Donc les amis, déjà il y a des mobs, c'est incroyable. Et il nous a carrément fait une petite histoire. Alors l'histoire, c'est votre dernier jour au Jumpy's Theater. j'entends des zombies. Voilà, donc c'est votre dernier jour au Jumpy's Theater. Aujourd'hui, vous allez avoir une prime de 230 euros et ensuite 3 petits points. Et apparemment, c'est ironie, on ne voit pas très bien. Donc, c'est ce qu'il m'a dit dans son email. Donc, les amis, là, on se retrouve au tout début de la map pendant qu'il y a des slimes qui font un bruit pas possible. Comme vous pouvez le voir, ici, on peut activer toutes les game rules et autres. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, ok. Replace Redstone sur la laine rouge pour reboot. Ok, attendre que aucune redstone soit là, puis reboot système, timer court, ok. S'il y a de la redstone sur le système, ok. Ouais, bah ouais, apparemment. Ouais, ouais, bah c'est bon. Bon, on retourne là, voilà. Et bah écoutez, on va pouvoir lancer. Il y a même un petit easter egg, bah bien sûr, qu'on fera à la fin de la partie. Allez, on se lance, et voilà, on est dans la map du Jumpy Startle. Ah, il y a... Oh, je peux... Ok. Ah oui, ok, alors... ha. J'aime pas ça. Il y a déjà Ignited Freddy qui est juste là. Tuer Horror Freddy. Mais what? Mais mec, c'est quoi cette map? Moi j'ai peur, hein, ça choque. Ok, on a les lumières. Private, ok. Est-ce que on a... Ouais, on a des écrans. Bah écoutez les amis, on va regarder. Il faudrait que j'arrive à... J'arrive pas à le casser. J'arrive pas à prendre les écrans. Attendez, on va y arriver. De toute façon, ne vous inquiétez pas. En plus, j'ai vu apparemment. Oh, oh, oh! Meurs! Alors, ah oui, ok. Donc, les amis, il a vraiment pas rigolé sur les moyens. Tuer Aurore Bonnie. Mais what the fuck? Mais les, ah, les amis. Ok, donc on a une porte. On a une porte là, ici. On va les activer. Moi, j'ai vraiment peur de. De Horror Freddy qui est juste derrière nous. Enfin, Ignited Freddy d'ailleurs. Mais j'arrive pas à casser. Mon bro, je sais pas. Alors, je sais pas. Attendez, je vais essayer de casser ça. Peut-être que ça va casser l'item frame. Allez, j'arrive pas à voir les. Ah, voilà. Bah, attendez, on casse un peu ta map. Je suis désolé. Désolé pour toi. Meurs. Oh. Attendez, il est là ou pas? Non, c'est bon. Alors, on regarde les caméras. Caméra 1, ok, donc apparemment il y a de la bedrock. Peut-être c'est un test, hein, je... Ouais, à mon avis, peut-être qu'il y a des caméras qui sont juste un test. À mon avis, c'est ça. Donc ça m'étonnerait pas, bien sûr. C'est totalement logique. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des meufs qui ont déjà fait ça. Je le comprends, hein, d'ailleurs. Hop, on regarde. Erreur signal. Ah, donc apparemment, on n'a pas de caméra. Oh, il y a une grande... Ok. J'ai entendu du bruit, c'est pas là. Oh là là, pendant que Horror Freddy spawn juste derrière nous, il tombe dans quoi? Ok, plutôt intéressant. On va casser la caméra qui est juste à côté, on va la récupérer. Et après, bien sûr, les amis, on bougera. Je vais juste réouvrir un peu, parce que c'est pas du jeu. Voilà, vous le savez très bien. En tout cas, les amis, on n'a jamais vraiment perdu dans une map.
dans une de nos maps, en tout cas, une map d'abonnés. C'est plutôt sympa. Après, voilà. Ah, ok. Moi, j'ai vraiment peur de... Il a mis un timer et les amis, j'ai vraiment peur qu'il spawn. Le pire, c'est Aurore Bonique que j'ai jamais vu. Ok, il spawn. Ok, c'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. On rouvre. Ok, donc apparemment, il y a une cuisine. Donc, apparemment, c'était un espèce de théâtre. C'est plutôt intéressant parce que les amis, déjà, on a toujours eu des pizzerias, voilà, rien de plus simple. Mais on n'a jamais eu quelque chose d'autre. Donc les amis, c'est plutôt intéressant de voir quelque chose de... Oh là, oh là. Les amis, il y a Vinny qui est juste là. Si. Oh là là, mais what the fuck. Attendez, hein, je ferme. Là, ça commence à devenir vraiment tendu. Hein. Oh là, les amis, c'est tendu de fou. Non, tu spawns pas, non, voilà, ok, nickel. On regarde à travers les caméras, donc là apparemment c'est le théâtre qui est juste ici, qui est très très bien fait, très très joli d'ailleurs, hein. On peut voir un petit micro, regardez, juste ici, peut-être il y a un animatronix qui chante. On a une gaming room, la gaming room de chez Eclipsia, pas du tout, qui est plutôt jolie. On va récupérer les deux dernières caméras, regardez, on va casser tout ça, voilà, hop. Je sais pas si c'est fait exprès, à mon avis oui, mais c'est bizarre qu'on puisse pas regarder tout ça. Là, ok, donc là, il y a l'accueil. Et là, on est juste là, nous, apparemment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai vraiment peur d'ici. Et apparemment, on a presque fini la nuit, déjà, les amis. Mais en tout cas, c'est une des maps les plus avancées qu'on a vu d'abonnés. Hein. Ça, de sûr et certain. Donc là, on a l'accueil, qui est juste là. On ne voit aucun animatronics. Et là, on a donc une cuisine, four à flamenco. Mais il est sérieux ? Un four à flamme et une cuche, les amis. Je sens que cet abonné, je l'aime bien. Je sens que je l'aime bien. Et déjà, il a fait une cuisine, mais les amis, un truc de fou. Et là, est-ce qu'il y a toujours... On va ouvrir. Ok, c'est bon. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Et il est 6h du matin. Est-ce qu'on aurait fini? Non, bah non. Apparemment, Aurore Freddy spawn toujours. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Là, apparemment, c'est passé. Ah, là, les amis, il y a quelque chose de terrible. Hein. Mais il est 6h du matin. Est-ce que c'est terminé ou non? Alors là, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr parce que je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Parce que, à mon avis, pour moi, on aurait terminé. Parce que, comme vous le savez, ça dure à peu près une nuit à chaque fois. Donc, c'est plutôt sympa. Mais en attendant, le jeu continue. Donc, les amis, on continue. Peut-être déjà que je vais rester assis. Je ne sais pas. Tu es Aurore Bonnie. Aurore Bonnie, on l'a toujours pas vu d'ailleurs. Donc en fait ça fait quoi? Oh, ok. Ah oui, ok, le mec a creusé et tout. Vraiment très très cool, vraiment très très sympa. Et United Freddy, arrête, on t'aime pas. Ok, oh, j'ai failli tomber dedans, c'était plutôt pas mal. En tout cas, sa map, les amis, est vraiment super cool. Je pense vraiment refaire une vidéo dessus parce qu'elle est vraiment très très sympa. Alors, je pense que les amis, on va essayer de peut-être faire une revanche, je ne sais pas. Quoi faire? À mon avis, les amis, ce qu'on va faire, c'est que l'Easter Eggs, écoutez, on va le garder pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, voilà, pour vous teaser un peu, voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas, voilà, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette map pour l'instant. En tout cas, elle est très très cool. En plus, c'est cool parce que avoir des animatroniques juste derrière qui vous tentent un peu. Sont juste derrière, franchement ça fait un peu flipper. Et à mon avis la prochaine fois les amis, ce qui serait bien, ça serait d'aller voir peut-être les animatronics. Je vais voir un tout petit peu, mais voilà, c'est tout, on va juste voir ça pour le moment. Donc les amis, franchement la map est super cool. Vivian, tu t'es gavé. Oh, quoique je suis pas méchant. Donc les amis, écoutez, parce que je suis gentil avec vous et qu'on est bientôt aux 50 000 abonnés, parce que les amis, je vous remercie énormément. Parce que ça avance très très vite, on augmente très très vite en ce moment, c'est un truc de fou. En plus, voilà, avec l'arrivée de la nouvelle série de Zoolcraft, les amis, je vous ai mis énormément cette série. Et je m'amuse énormément à la faire, sachant comme vous avez pu le voir, en tout cas comme vous avez pu le voir ou comme vous pouvez le voir, enfin ça viendra bientôt, si l'épisode de Zoolcraft est sorti. Mais une nouvelle personne m'a rejoint, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, de toute façon je ne sais pas quand la vidéo sortira, cette vidéo-là. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui nous a rejoint et c'est déjà plutôt pas mal et on s'amuse vraiment beaucoup à tourner cette série. Donc les amis, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans le petit en haut à droite de la vidéo. Donc voilà, c'était un peu la petite pute du moment. Freddy, arrête.
Oula, j'ai eu peur. Il était juste à côté. Donc les amis, on va poser les caméras. Regardez, on va les poser. Et hop, voilà. Et on va aller voir tout ça pendant que Vinny est juste à côté. Ah oui, mais non, la map, la vision de la map, on la gardera pour la prochaine fois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'easter egg. Alors, je me baladais dans la map justement pour me faire tuer. Et bah, j'ai réussi. Apparemment, il y a Springtrap. Et Springtrap m'a défoncé. Donc, on va se mettre en game mode 1. Et on va reset le système comme il nous l'a montré. Donc, on a juste à poser une petite redstone. Apparemment, rien de très très compliqué. On va la prendre. Hop, on va la prendre. Et on va la mettre juste ici. Et apparemment, ça doit faire quelque chose. Attends qu'aucune redstone soit là. Puis reboot le système. Ah, peut-être qu'il faut juste activer une fois, non? Je ne sais pas. C'est plutôt bizarre. Je ne sais pas. Ah, j'ai pas. Attendez, on peut pas reboot dès le début. Attendez, je crois que je suis en train de reboot le système. C'est plutôt bizarre. Excuse-moi, je suis en train un peu de casser ta mop. Regardez, hop, le petit système redstone qui est en train de suivre. Regardez ça, c'est magnifique. La redstone, c'est incroyable. C'est extrêmement stylé. En tout cas, les amis, il a vraiment pris quelque chose de super cool. Il a carrément géré de la redstone et tout. C'est très très sympa. Il s'est gavé. De toute façon, à mon avis, il verra sûrement la vidéo et nous dira ce qu'il y a, si on a loupé des choses. En tout cas, les amis, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va regarder le fameux easter eggs. Donc du coup, les amis, regardez, on rentre à l'intérieur, on sonne, hop, on rentre. Et voilà, easter eggs, finir d'abord la partie. Alors, apparemment, c'est ça, l'easter eggs. Et là, on a quoi? On a l'histoire du lieu, les autres petits easter eggs et infos et promos. Ça, vous inquiétez pas, de toute façon, je mettrai tout dans la description. Donc on regarde 561, 4, moins 530. Donc c'est des petites coordonnées. Ancienne pizzeria, je sais pas, j'ai pas fini du tout. Ressemble celle de FNAF 1. C'est celle qu'on peut voir juste ici en, à gauche, à mon avis. Le 6AM qui n'a jamais voulu fonctionner. Ok, apparemment. Il y a des choses plutôt sympas. Et l'histoire du lieu. Alors, c'est le plus important. C'est ce qui va vraiment nous importer. La chose qui va vraiment nous diriger un peu sur la map. Donc, en 1993, le Jumpy's Théâtre vient d'ouvrir. Avant, il y avait une ancienne crypte du nom de Jirid. Ok. Peu de temps après l'ouverture en 1996, le restaurant ferme ses portes en 1998. Monsieur Marc décida de réaménager le vieux théâtre en bois en pizza théâtre en briques avec pour nouveauté des robots. Il y avait un lapin doré et un ours qui a été retrouvé à l'abandon dans la rue. Malheureusement, le Jumpy's Théâtre ferma définitivement en 2006, car Marc venait de décès, ok, donc si tu veux, tu décès, moi aussi je décès, voilà, et que personne ne voulait de sa pizzeria resto lorsque vous faites votre promenade. Ah, votre promenade matinale, sûrement. Une annonce datant de 2002 cherchait un garde de sécurité. Jusqu'en 2018, bien sûr, vous avez continué à surveiller le resto après sa fermeture et vous avez vu le restaurant partir petit à petit en miettes. C'était votre dernier jour là-bas et comme prime de fin, vous avez reçu 230 €. Fin du message. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympa. Au moins, il nous dit un peu de lecture. Il y a quelques petites fautes, je vais pas vous cacher, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, apparemment, il a commencé à build la première pizzeria. C'est plutôt cool. Attendez, est-ce qu'on met une redstone? On va mettre une torche de redstone ici. Non, ça fait rien. Ok, est-ce qu'on on va... Attendez, moi je tente des choses. Je tente des choses, voilà. Ah, je pense que c'est l'espèce de truc là, qui est juste là, juste ici. Ouais, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça, 100% c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va aller voir à l'intérieur. Oh, est-ce que... Attendez, je vais voir si je peux... Ouais, c'est ça, exactement. En fait, voilà, c'était... En fait, à mon avis, ça nous TP ici. Et voilà, ça marque le 6AM. C'est très, très sympa. Bon, en tout cas, il a pensé à faire plusieurs choses et tout. Ça, ça ne t'était pas, c'est dommage. On le remercie beaucoup pour sa map parce qu'elle est franchement cool. Bien sûr, les amis, on va bien sûr faire la suite. Enfin, on va la refaire un peu. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, dans la description, ce que vous avez pensé de cette map. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très, très sympathique. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pendant que le petit zombie est juste derrière nous. Regardez, il s'amuse énormément. Voilà, on va faire... Regardez, l'outro avec lui, c'est magnifique. Donc, voilà, les amis, si vous avez aimé
aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie énormément, les amis. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, on est bientôt aux 50 000 abonnés. Et aux 50 000 abonnés, je vais vous faire une petite surprise. Voilà, donc, petite info, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, au moins, vous aurez quelque chose que beaucoup de monde attend. Et à mon avis, toi aussi, derrière ton écran, tu l'attends aussi. Donc voilà, les amis, voilà, n'hésitez pas à bien sûr aller voir les réseaux sociaux aussi, aller voir Twitter, Instagram et me rejoindre sur le serveur Discord, sur mon serveur Discord où on pourra parler, discuter. En plus, on a rajouté plein de nouveautés, dont les grades avec les niveaux yacht, c'est très très sympa, c'est très très cool. Et en tout cas, voilà, je remercie mes modos d'ailleurs pour ça, mes modos sur Discord, je les remercie énormément, je ne le fais pas assez. Donc voilà, j'en fais plein de bisous et puis voilà, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, c'était Guilliam. Allez, bye.